Alors, salut à tous, c'est Rafa 80 j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 17 février 2019, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, le ciel est bleu malgré quelques traînées de condensation. Il fait 15 degrés à l'ombre et il y a 51% d'humidité. Alors qu'il devrait faire en température maximum 7,3. Donc là, on dépasse carrément, euh, on dépasse carrément la température hein, parce qu'on est dans les 15 degrés alors que normalement on est dans les 7,3 de maximale. Donc euh, on dépasse de environ 8 degrés, donc euh, c'est assez énorme, hein, il fait euh, anormalement doux et c'est anormalement sec aussi Donc voilà, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo pour parler un petit peu du temps qu'il fait en ce moment Mais plutôt pour faire le bilan météo de janvier 2019 Alors comme vous l'aurez su dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai des problèmes personnels Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo avant, euh, mais je la fais maintenant, hein, maintenant ou jamais, hein, donc je la fais maintenant et c'est tant mieux. Donc euh, on peut commencer déjà tout de suite à dire que euh, on a eu déjà un mois de janvier assez euh, plutôt assez euh, froid. Puisque euh, on a été dans des températures maximales à 6 degrés, alors que les, les normales de max ça sont de 6,3. Et donc pour les températures minimales moyennes, elles étaient de 0,8, alors qu'on devrait être dans du 1. De, dans du 1 degré, pardon, donc on est un peu en dessous des normes de saison pour ce mois de janvier. La température moyenne de ce mois de janvier est de 3,4. Elle devrait normalement être de 3,6. Donc on est encore un tout petit peu en dessous hein, de rien du tout. Mais bon. Donc on va dire que janvier a plutôt respecté les normes hein, de saison. Donc voilà, commençons tout de suite ce bilan euh, mensuel pour janvier. Alors donc pour commencer. On a eu un début janvier plutôt doux, hein, puisqu'on était dans des températures autour de, de 5 à 10 degrés, donc euh, plutôt pas mal. On a été jusqu'à 11,2 le dimanche 13, donc euh, il a fait plutôt très doux ce, ce jour-là. Et après, tout doucement, ça commençait à se rabaisser, et on avait plus que des températures maximales dans les 1 degré. Le mercredi 23, par exemple, hein, un seul degré qu'on relevait à Beauvais. Bien sûr, c'est le bilan de Beauvais, comme je fais d'habitude. Donc ensuite on a on s'est relevé, hein, on a été jusqu'à 8,7 le samedi 26 et puis ça a rebaissé et puis on ira jusqu'à euh, 3 degrés le mercredi 30. Donc la moyenne hein, de je l'avais dit de 6 degrés. Un petit peu en dessous des normes, mais bon, c'est plutôt respectable. Température minimale, donc cette fois-ci euh, on avait commencé donc janvier euh, très doux, hein, 7,2 pour commencer euh, le premier jour de janvier, hein, euh, c'était plutôt... Euh, pas mal très doux hein, on va dire ça ensuite on a commencé à rabaisser euh, très fort hein, le jour d'après 1,8 seulement et on commençait déjà les gelées euh, le vendredi 4 avec moins 1,4 et ça a un peu enchaîné les gelées enfin hein, euh, ça a pas vraiment enchaîné mais c'était plutôt euh, irrégulier parce qu'on a eu des gelées mais surtout en mi-mois avec euh, moins 7,3 la plus basse gelée le jeudi 24 ensuite donc euh, Ouais, c'était surtout un axe du vendredi, du vendredi 18 au vendredi 25. Donc pendant une semaine, on a eu des gelées presque tout, tous les jours, hein, tous les matins. Et après ça commence à réaugmenter. Des gelées fortes sont arrivées en fin de mois, avec notamment moins 6,3 le jeudi 31. Et donc la moyenne, je l'ai dit, 0,8, donc encore un petit peu en dessous, mais c'est plutôt respectable. Pour les précipitations. Euh, il n'a pas vraiment plu hein, euh, en ce mois, c'est surtout en fin de mois qu'il a plu. Parce qu'en début de mois, euh, c'était globalement sec, hein, 0,2 à peine euh, pour le premier jour. Après, ça a commencé euh, vers le mercredi 9 avec 0,8. Après on a enchaîné euh, avec euh, des RR en dessous de 0 euh, en dessous pardon, de 1 euh, mm. Après ça... Pendant deux jours, on a eu du 0 euh, mm. Et puis on a eu euh, 4,6 euh, 17. Après, bon, c'était irrégulier et puis c'était surtout euh, en mi-fin de mois qu'on a eu euh, ces fortes précipitations avec pendant plusieurs jours 6,4, 1,6, 1,2 mm et surtout le record hein, de ce mois c'était le mardi 29 avec 16,1 mm d'eau donc ce jour-là il avait bien plu, hein, je pense bien donc c'est pour ça qu'on a eu autant de précipitations pour les, le total des précipitations. On est dans du 43,7 mm. Alors donc que la, le total mensuel il doit être de 57,5. Donc là, on est un peu déficitaire. Pour l'ensoleillement, euh, donc bon, on ne va faire un retour dessus, hein, comme d'habitude. Seulement voilà, on a eu euh, 3,5 heures d'ensoleillement pour ce mois de janvier 2019. Et on devrait être dans le 65,2. Donc Là, on est carrément déficitaire, hein divisé par deux carrément. Là, c'était plutôt euh, assez. très bas, plutôt même le soleil. Donc, on ne l'a pas vraiment vu ce mois de janvier. Pour les statistiques du mois, donc il euh, y, y a eu 3 jours de, de forte gelée, avec euh, donc, euh, une température minimale qui dépassait les moins 5 degrés. Euh, 11 jours de gelée, donc euh, franchement, euh, pas mal. Hein 11 jours de gelée, c'est déjà bien. Jour de pluie, donc il y a eu 10, avec le RR qui dépassait 1 mm, c'est tout. C'est tout pour ce mois de janvier 2019 qui, globalement, a été dans les normes au niveau, donc, je dis bien, des températures. Mais après, niveau soleil et précipitation, était déficitaire. Mais vraiment beaucoup, beaucoup trop déficitaire, je dirais. Donc, c'est la fin de cette vidéo, euh, les amis. Alors, donc, petite précision, hein, même un avancement. Nouvelle vidéo, mardi soir ou mercredi, ça dépendra tout de moi. Euh, pour expliquer un petit peu le nouveau projet de la station météo que j'ai parlé dans l'interview la, dans la, de... De Raphaël, hein, dans mon interview, je la mettrai en, de en description si vous voulez. Donc voilà, nouvelle vidéo, notez bien un mardi soir ou mercredi, tout dépendra de moi euh, pour l'expliquer, le, le projet de la station métaux que j'avais en cours. Pour l'instant, bon, je préfère rester là-dessus, mais bon, on verra bien dans le, dans le futur comment ça se passera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la commenter ou la partager, c'est comme vous voulez, et à très vite pour de prochaines vidéos.